C'est quand même sidérant pour voyager, pour regarder ces intellectuels-là qui perdent parfois à une crise existentielle. Ils sont tellement dans l'incapacité, ils n'ont pas qu'à supporter la puissance de l'Occident. Et là, l'Occident, en quelque sorte, c'est pas le passé. L'homme blanc occidental, c'est pas le passé. L'homme blanc occidental, c'est le présent. Oui, c'est le présent. Ils ont établi un ordre mondial. Ils ont imposé une représentation, ils ont imposé une vision du monde. Ils ont imposé une civilisation et c'est l'idée en quelque sorte qui est réalité. Ils ont construit une réalité et ils ont construit une réalité, ça a construit là. Ils ont forcé par faiblesse mentale pour réfugier dans le passé. C'est ce qu'on appelle le mahonnage. Le comportement de ces intellectuels, c'est le mahonnage. Confronté à la puissance de l'Occident, confronté avec force Occident, à peser sur lui, il a couru, l'esprit n'est pas capable de faire face avec les puissances. Il est obligé de courir, à le cacher, à le prendre refuge, mahon dans l'Antiquité et juif dans l'Antiquité et égyptienne. Maintenant, ou pas qu'à venir valoriser l'Égypte antique. Qui sont pas dit de l'Égypte antique? L'Égypte antique, c'était l'Égypte antique. Ou pas qu'à venir valoriser dans le présent. L'Égypte antique a de la valeur pour lui-même dans le passé. Mais on pas qu'à venir prendre par rapport avec son histoire pour venir dans le présent pour venir dire mais ça Égypte. Et pas où même qui va venir dire nous ça Égypte. Égypte était l'Égypte dans son égyptologie. C'est ça le problème. C'est pas où même parce qu'on fait des recherches, ou elle vient archéologique, ou elle vient des découvertes scientifiques, ou elle vient de pour venir avec histoire, ou elle vient dire mais ça l'Égypte. Non! Ou même pas besoin de dire ça l'Égypte pour constater que l'Égypte était l'Égypte. Ouais, c'est ça. Pas besoin de dire ça. Maintenant, ce qui est important, c'est pas le fait qu'on vienne dire que l'Égypte, c'est l'Égypte. L'Égypte était ceci, l'Égypte était cela. Mais c'est qui ça moi-même dans ma réalité présente? Dans ma réalité ponctuelle, moi choisi qui ça me voulait quitter comme empreinte. L'Égypte a fait son égyptologie. Moi-même dans le présent forme fait ça pas même pour de façon à ce que ça pas venir après pour venir étudier. Maintenant je pense que moi c'est que son démarche qui difficile pour un pile monde parce que il demande une capacité de raisonnement qui fort, qui solide parce qu'en réalité le comportement de ces intellectuels c'est la fuite. Mais la fuite sous couvert de résistance. Maintenant, le fait qu'on le cache en Égypte, ça ne veut pas dire pourtant qu'on va faire résistance. Non, c'est son refuge, son fuite en avant. C'est un comportement et lâche, son comportement désespéré, son comportement monde qui n'a pas de capacité, qui est en position de puissance, qui a refugié dans l'Égypte antique pour essayer de faire sens avec présent. Non, vous n'avez pas besoin du passé pour faire sens à présent. Non, le passé est le passé. Maintenant, il faut servir du présent, des matériaux du présent, pour expliquer le présent, pour construire le présent. Maintenant, cette capacité, nous gagnons, c'est ça fait nous toujours plonger, ou après le nègre, il est toujours plongé dans l'histoire, la colonisation, l'esclavagisme, dans ce piège psychologique que l'homme occident mettait Tinek va être dans une difficulté pour confronter l'avenir, parce qu'en réalité, il n'est pas qu'à confronter même le présent. Parce que le présent est trop lourd pour lui. La réalité du présent est tellement dure pour lui. C'est ça fait que les gars toujours pété, esclavage, il est toujours là dans la colonisation. Mais attends, en plus, ou pas là pour qui sont pas fait, ou derrière, ou entre nos dynamiques pour restaurer, ou bien pour ou besoin de justice, qui sont appelés réellement. Ou vient cacher derrière esclavagiste, derrière colonialiste, juste pour expliquer ce comportement parasite. Mais les esclaves du passé, les esclaves. Yo même qui t'es confronté avec réalité présent par yo à l'époque, qui c'était le système esclavagiste, quel qu'ils ont fait, ils ont construit du présent pour eux, qui ça a fait, yo combat système, non, yo fait 1804, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont combattu le système et ont accouché 1804. Ou même un petit comportement intellectuel parasite, ou avait une caché derrière accomplissement yo pour camoufler faiblesse ou impuissance ou face à la réalité. Voilà. C'est ça toi m'a construit. C'est ça toi m'a bâti en rien. Nous tellement vite lâches au niveau de l'esprit. Nous tellement vite moribonds au niveau de la réflexion. Nous avons, nous tellement dans l'incapacité pour nous produire du neuf. Nous obligés à le cacher derrière dos anciens pour nous essayer de faire une justification avec notre misère du présent. Pour nous camoufler impuissance nous face à la réalité présente que l'Occident impose nous. Ouais, l'intellect a plongé tête dans le passé, de même aussi il a fixé l'esprit dans le présent, de même aussi il a inscrit tête dans le futur. Et si nous remarquons bien, alors que l'Occident impose nous en réalité
dans le présent, ce même Occident inscrit tête dans le futur. Pendant l'Occident fin quitter nous, a classé comme nous avec système esclavagiste, système colonialiste, n'a bataille avec passé nous, nous par contre qui ça nous, il n'a bataille. Nous avec passé nous. Yo même, yo imposé, yo volé ce qu'on appelle notre prison. Ils ont volé notre prison. Qui ça veut dire? Il faut faire très attention, ça m'a dans pile, capacité pour réfléchir, pour comprendre le jeu de l'homme blanc occidental. Parce que c'est un jeu psychologique qui est fort. Yo la gué une équation passée dans même. Yo la gué système esclavagiste. Yo la gué système colonialiste. Yo la gué à bataille à tête. Pendant ou à bataille à tête, yo tourné l'esprit vers le passé. Et puis, y a volé votre présent. Y a volé présent. T'es pas imbécile. Pendant y a volé présent, yo impose yo présent pour qu'à courir à réfugier dans le passé. Et puis, y a volé présent. Pendant y a volé présent, ce qu'on a fait, y a construit l'avenir via les technologies et intelligence artificielle. Yo inscrit tête dans le futur. Yo séquence dans l'histoire de yon race. Pas définir une race. En pile nèg philosophe, c'est vrai. Comme si Mabdou nèg un problème de raisonnement, de réflexion et d'analyse. L'on dit race, l'on dit une race. Mais race ça, il y a un cheminement historique, il y a un parcours, il y a une trajectoire historique. Et trajectoire historique, race ça, il est marqué par des hauts et des bas. Il est marqué par des événements. Par exemple, l'abolition, l'esclavage, colonialisme. Ce sont des séquences, en quelque sorte, notre trajectoire historique, là ça. On pas qu'à prendre trajectoire historique, là ça, pour réduire avec deux phénomènes. Parce qu'en réalité, faut qu'on vision de la temporalité qui dépasse ces événements. Mais faut qu'on tourne l'esprit de ces événements pour défi, pour expliquer qui ça, là ça, un monde fouillé. Et c'est ça m'a expliqué, psychologiquement, pas comprendre. Parce que yon prend l'esprit, yon contourne dans l'esclavage et oppression pour empêcher ou fixer regard sur le futur. Et ceci étant dit, ou tellement cloisonné dans le passé, dans sa yoba, ou pas même qu'à rendre compte que l'Occident, la Chine, a pas avancé. Oubliez si les technologies a pas avancé.